Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale. Nous sommes devant la fin, devant Asgore. J'ai fait le plein de bouffe pour pouvoir l'affronter, donc on va se le retenter. C'est parti. Par contre, je sais pas du tout si on va y arriver. Alors, plus de boutons Clémence, ça on sait. Nous a tué 6 fois déjà. Yes, nickel. Donc là, on a su esquiver. On va l'affronter, sa respiration de l'air régulière pour un instant. Ok, ça va. Donc j'ai réussi à perdre que 5 points de vie. Ok, donc là, il va perdre ses stats. Donc je vais pouvoir l'attaquer après. Défense d'Ascore diminue. Ok, donc maintenant en théorie je dois l'attaquer. Pas trop dégueu. Je crois que j'ai été touché. Je vais me soigner du coup. Je vais le starfer, vraiment restaurer. Ok. Je m'améliore. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non mais vous êtes sérieux là? Bon, est-ce qu'avec 8 PV je peux survivre? Allez, on va se le tenter. Et je m'améliore. Là je vais me soigner. Voilà. Oh joli. Ah, tu m'as eu qu'une fois. Ah putain. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas me faire avoir là non plus. Putain. Ah mais merde. Super. Ah putain. Ok. Te mettre un PV, si tu veux te tuer, sache-le, donc même si tu as 2 PV, tu tankeras obligatoirement un coup. D'accord. Oui, j'avais vu que les yeux disaient la séquence de laser. En 2 coups, tu le tues en génocidaire. Oui, on est pas en génocidaire là. Ah putain. Ah putain, la dernière, il m'a eu. En mettre un seul au milieu hein. Ouais non mais attendez, vous avez qu'à aller encore plus vite aussi tant qu'à faire. Donc pas bouger. Ok, ouais.
demander à Undyne d'intervenir. Tout ira bien, Jayce, garde ta détermination. Mais oui, je suis déterminé. Oui, je sais que les yeux... Ouais, les yeux disent la séquence de laser, mais... Ring, ring, pas de réponse. Ils veulent plus me parler. Allez, on se la retente. Faut avouer quand même que ce combat il est bien épique. Enfin, je veux dire, l'intro comme ça et tout, c'est... J'aime bien. Bon, je me soignerai, ouais. Dit Asgore qui vous a tué 7 fois. Il loge grièvement la tête. Fuck. Vous voulez pas l'affronter. Superbe, magnifique. J'en ai marre de me soigner. Voilà. On sent dans ta race. Ah mais merde, il fallait que je reparle en fait. Non mais ça me gonfle. Celui-là, je suis censé le passer comment, sérieux? Oh, ben voilà! Alors. Bouger, pas bouger, bouger. C'est bon? Non. Mais ça, j'y arriverai pas. Faut aller à l'inverse de des mains qui arrivent. Donc, pas bouger, bouger, pas bouger. Yes. Ça, j'y arrive pas. Pas encore trouvé le truc. Un 5 PV. Salut Kyle, bienvenue. Je me soigne encore un coup au moins. Je me suis raté du début à la fin, quoi. Oui, il est équipé le couteau. Attendez, il y a Spock qui vient de m'aider. Oui, non, mais tu vas arrêter. Tu vas pas me gêner pendant que je joue non plus. Hein? Où ils sont? Allez, descends. Allez, c'est parti. Oui, j'ai mis le truc pour défendre aussi.
Je crois que je vais faire un run génocide après, en fait. Juste pour pouvoir lui pourrir la gueule à lui. Il m'a tué 8 fois maintenant. Je suis pas concentré, ça commence bien. Ouais, là, une fois qu'on a réussi à se positionner sur celui-là, je crois qu'on a plus besoin de bouger. Je les ai littéralement tous pris là. Super. Donc je crois que c'est la dernière fois que j'avais besoin de lui. Ah non, ouais, faut que je l'attaque maintenant. Là, j'y arrive pas. Hein. Ok, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Lol. Non mais lol, ok. Merci. Oh putain, mais c'est pas vrai quoi. Ok. Celui-là, je commence à y arriver. Ah oui, je joue au clavier. Je joue avec quoi? Je joue à autre chose qu'au clavier. Oh, il m'a pas eu. Trop bien. Oh putain, il m'a pas touché. Oh, il m'a pas touché! Bon, là, il va me toucher. Voilà. Yes! Ah, putain. Je me soigner un coup, quand même. Utiliser une manette. Ma manette fonctionne effectivement. Attendez. Ok. Ok. Je me suis un peu raté, je crois. Oh, joli. Elle. Ah, 3 PV et j'ai plus rien pour me soigner.
Ok, il me reste un PV, j'ai plus rien pour me soigner. Les PV d'Asgore sont bas. Est-ce que j'ai dû lui parler du coup? Est-ce que je l'attaque ou est-ce que je lui parle? Non, à quoi? L'attaque. D'accord. Ok. Ah. Alors, c'est comme ça. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Tout l'outre-monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau été volé par les humains. Pris de colère, je déclarai la guerre. Je jurai que j'exécuterai tout humain qui oserait venir ici. Que j'utiliserai leurs âmes pour devenir un dieu. Et nous libérerai de cette infâme prison. Et qu'ensuite, je détruirai l'humanité. Et laisserai les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Elle partit d'ici et disparut aux yeux de tous. C'est Auriel, sa femme. En vérité, je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant, je t'en prie. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Moi, j'ai envie de dire Clémence, là. Après tout le mal que j'ai voulu te causer, tu préférerais rester ici et souffrir plutôt que de vivre une vie heureuse à la surface. Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous le pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires assis dans le salon et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. Oula. Merde. Non. Ah putain. Imbécile. Tu n'as donc rien appris. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Super. Ah oh putain, mon jeu vient de planter. Alors on m'avait dit, t'inquiète pas si ton jeu plante, Jayce. Du coup, si je le relance, il se passe quoi? Oula! Et Flowe level. Qu'est-ce que je fais là? Continuer? Dites-moi ce que je fais. Je fais continuer ou recommencer? Je dois faire continuer, non? On va attendre un peu. C'est juste chiant ce son. Ok. Continue. On va essayer de continuer alors. Fais ce que tu veux. Ok, elle me pète carrément. D'accord. D'accord. Connasse. Coco. C'est moi, Flowey. Flowey la fleur. Je te dois une fière chandelle.
Tu as mis sa raclée à ce vieux schnock. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide, il est mort. Et j'ai les âmes humaines. La vache, ça fait si longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Ça remue là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il ne m'en manque plus qu'une. Avant de devenir Dieu. Ainsi, avec mes nouveaux pouvoirs, les monstres, les humains, tout le monde, je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite pour toujours. Mais t'en fais pas. Ton vieil ami Flowey en a bricolé une rien que pour toi. Je sauverai sur ta propre mort. Pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguinolente. Encore, et encore, et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Hihihi. Tu es vraiment stupide. Je sens mal. Ça, c'est les 6 âmes, non? Wop, 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 wop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Laissez-moi bouger, je veux m'enfuir! C'est horrible! Oh, la tronche de la Flowey, quand même, avec les yeux rouges et tout. Bah! C'est dégueulasse! D'accord. Ouais, mais c'est carrément un autre jeu là. Oh putain de merde. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Comment je fais pour me battre? Mais... Ok. C'était juste un mauvais rêve. Et tu ne t'en réveilleras jamais. C'est horrible. C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce jeu? Mais sérieux quoi. Ah mais il a encore planté en plus. Oh putain. Hihihi. Tu croyais vraiment que je me satisferais? De te tuer une seule fois? Et c'est reparti. Je peux faire quelque chose au moins, dites-moi. Hein. Si au moins je peux essayer, je sais pas, de survivre. Oh ce truc. C'est moche en plus quoi. Bon, c'est bon, on sait que c'est toi Flowey. Je sais pas. Mais genre quand tu vois tous les dégâts qu'ils me font quoi les trucs. Ah je lui ai fait un de dégâts. Je suis trop fort. Bon. Faut juste avoir du skill, non mais lol. Coupe et lance l'enregistrement d'un autre épisode. Pourquoi? Et tu ne t'en réveilleras jamais! Oh mon dieu. Welcome to Arthroska. Ouais, on va changer de jeu, c'est ça. Hein. Pathétique. Maintenant, tu vas vraiment mourir. Faut du talent, sans vouloir être méchant, t'es un peu en rade. Sans blague. Tu vas mourir un paquet de fois. Sans blague. Épargne-le, le pauvre, ouais. Épargne la pauvre fleur. Ah, surtout, le problème, c'est que si elle pour 6, ça lui prend 10 minutes à chaque fois pour initier le combat aussi.
même pas par où commencer. Non mais vous êtes sérieux? On peut gagner ça? Ah oui, d'accord. Non mais lol. Appelez à l'aide, oui, c'est exactement ça. Appelez à l'aide. Vous appelez à l'aide. C'est quoi ça? Ah, ça me soigne. Merci. D'accord. Quoi ces bombes? D'accord. Mais les mecs, ils ont fumé les développeurs de ce jeu, quoi. Putain, mais vous allez me foutre la paix, oui, nom de Dieu. Ah, j'ai fait trop de dégâts, je suis trop fort. Ok, donc ça repart. Normal, moi je vais en plein milieu. Appeler à l'aide. Donnez-moi les gentils points de vie, s'il vous plaît. Je veux des points de vie. Oh, j'ai pas tout pris. Danger. Mais... Donnez-moi, je veux soit. Putain. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre aussi longtemps là. C'est quoi ça? Non. Soignez-moi. Je veux du soin. Protéger. Clémence. Liberté, succès, rêve. Ah putain, j'ai encore moins de points de vie qu'avant. Mais je suis où là? Ah d'accord, je suis tout là-haut. Plus que 3 dangers. L'action, je le vois, il est là. Donnez-moi du verre, oui, je veux du verre. Max de verre, vite. Plus. Ah putain, je suis mon max. Je perds 3 quarts juste après. Ça va être quoi le prochain? Hop. Aïe. Et merde.
À l'aide, aidez-moi. Ah non, 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 t'as pas le droit de faire ça. Voilà, oh putain. Ah oui, 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 donnez-moi du soin, donnez-moi plein de soins, merci. Ah. Ouf. La défense de Floé est tombée à zéro. Ah là, il faut peut-être que j'arrive à faire passer l'attaque alors. Cauchemar ce truc! C'est un cauchemar ce truc, je suis tellement concentré que je peux pas parler. Oui! Non! C'est pas vrai! Non! Non! Ce n'est pas possible! On aurait presque l'impression que j'ai du skill, mais en fait c'est... En fait le truc me rate en permanence, c'est ça? Espèce de... Espèce de... Fichier 3 chargé. Espèce d'imbécile. Qui a cru, hein? Ah! Ah oui, ok, il me bute en même temps, du coup. Rechargé, d'accord. D'accord, ok. Ouais, 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 ouais. Normal. Tu croyais vraiment que tu pourrais me battre? Je suis un dieu dans ce monde. Et toi, tu n'as plus aucun espoir. Tu as rien, personne. Et oui, c'est exact. Tes amis inutiles ne peuvent plus te sauver. Appelle à l'aide, fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman, papa, aidez-moi. Tu verras à quel point c'est utile. Vous appelez à l'aide. Mais personne ne vient. Oh, quel dommage. Personne d'autre ne pourra te voir mourir. Bon, bah je crois que je peux juste crever, en fait, c'est ça. Ah. Non, j'ai regagné toutes mes points de vie. Et l'autre, elle rigole. Quoi? Mais comment t'as... Bah, je vais juste... Échec chargement. Eh oui, t'arrives pas à recharger la sauvegarde. Que... Mes pouvoirs, ils ont... Les âmes? Qu'est-ce qu'elles font? Non! Non, vous ne pouvez pas faire ça! Vous êtes censé m'obéir! Arrêtez! Arrêtez ça! Arrêtez! Ah là là. Jusqu'au bout de la nuit, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que j'ai appris quoi que ce soit? Non.
M'épargner ne changera rien. Me tuer est la seule façon d'en finir. Si tu me laisses en vie, je reviendrai. Je te tuerai. Je tuerai tout le monde. Je tuerai tous ceux que tu aimes. Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à m'épargner? Je comprends pas. La pack complet, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Flowey prend la fuite. D'accord. Et du coup, j'ai pu sortir ? Donc ça, c'était la fin neutre. C'est ça ? J'aime bien le design autre monstre. Point d'interrogation. Il y a un truc après. Bon, on va le laisser alors. Dring dring. Salut salut. Il y a quelqu'un? Bon, je vais juste laisser un message alors. Je pense que ça va faire un récapitulatif, c'est ça? Eh ben, ça fait un bail. La reine est revenue et règne maintenant sur l'outre-monde. Elle a mis en place une nouvelle politique. Les humains tombant ici ne sont plus traités comme des ennemis, mais comme des amis. C'est probablement mieux comme ça, de toute façon. Les âmes humaines que le roi avait rassemblées, on dirait qu'elles ont disparu. Donc, ce plan m'a l'air un peu mort pour le moment. Mais même si les gens ne se remettent pas de ce qui est arrivé au roi, et que ça s'annonce un peu fichu pour notre libération, la reine fait de son mieux pour nous faire garder espoir. Donc, ouais. Si on n'abandonne pas de notre côté, n'abandonne pas où que tu sois, d'accord? Qui sait combien de temps ça nous prendra? Mais on finira par sortir d'ici. Sens, mais à qui est-ce que tu parles? Oh, personne. Comment, personne? Je peux lui parler, moi aussi? Tiens, fais-toi plaisir. Attends une seconde. Je reconnais ce numéro. Écoute-moi bien, humain. Moi, le grand Papyrus, je suis désormais capitaine de la garde royale. Oui, j'ai mangé le bonhomme de neige, oui. Allez pas. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Sauf qu'à la place de combattre, on arrose des fleurs. Ça change un peu de ce à quoi je m'attendais. Ah, on aide aussi le docteur Alphys dans ses recherches. Elle va trouver un moyen de nous sortir d'ici. Undyne l'aide aussi. Même si, pour être honnête, la façon dont elle l'aide donne des résultats un peu trop explosifs. Mais Alphys a l'air d'aimer la voir dans les parages. Oh oh. Hey, comment ça va, microbe ? Nya! Ne maltraite pas le téléphone, je t'en prie. Hé, hey, c'est qui le patron ici? Moi. Moi? Ouais, c'est vrai. J'ai démissionné de mon poste de chef de la garde royale. En fait, vu que l'on ne va plus devoir se battre, la garde royale a été complètement dissoute. Il n'y a plus que un seul membre désormais. On se demande qui c'est. Mais il est carrément doué! Ouais, tu peux le dire. Viens par là. Ne maltraite pas le squelette, je t'en prie. Enfin bon, je suis désormais l'assistante d'Alphys au labo. On va trouver un moyen de sortir de ce trou pour de bon. Oh, sinon, je suis prof de sport à la nouvelle école de la reine. Tu sais que je peux soulever 7 enfants jusqu'avec mes bras? Énorme, hein? Hé, hey, désolé pour ce qui s'est passé avec Asgore. Tu as fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas vraiment ta faute s'il... Ah, c'est pas vrai. Il me manque déjà le bonhomme.
Allez, Undyne. Dunaire. Je vais plutôt te parler de ce que devient Alphys. Ben, elle n'a pas changé d'un poil. Peut-être un peu plus renfermée que d'habitude. Comme s'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Mais elle va s'en sortir. Je suis là pour la soutenir. C'est à ça que servent les amis, pas vrai? Et où que tu sois, j'espère que c'est mieux que cet endroit. On a abandonné tellement de choses pour que tu sortes d'ici. Alors, peu importe où tu es maintenant, fais en sorte d'avoir une vie heureuse, ok? Fais-le pour nous. On sera content de savoir que nos efforts n'auront pas été vains. On est avec toi, tout le monde, même la reine. Et attends une seconde. Toriel, Toriel, est-ce que tu veux... Ah, elle dit qu'elle est occupée. Mais si elle savait à qui on parlait, on pourrait plus reprendre le téléphone avant des heures. Nous avons la clémence de te l'épargner. Mais appelle n'importe quand, ok? Ça lui fera plaisir. Oh, oups. Le truc n'a quasiment plus de batterie. Bon, désolé de devoir couper comme ça, mais... Un de ces quatre, ok? Salut, salut! A plus, microbe! Clic. Et voilà. Non, elle est de retour, elle, encore? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu épargné? Tu ne te rends pas compte que jouer au gentil ne t'apporte que des misères? Regarde-toi. Tu t'es fait tous ces amis géniaux, mais maintenant, tu ne les reverras probablement plus jamais. En parler du fait que ton passage a totalement changé leur monde. Ça fait mal, n'est-ce pas? Si tu avais fait tout ce chemin sans t'occuper de personne, tu te sentirais pas aussi mal. Alors je ne comprends pas. Si tu as vraiment tout fait comme il fallait, pourquoi les choses doivent-elles finir ainsi? Pourquoi? La vie est-elle toujours si injuste? Et si je te le disais que je connais une façon d'avoir une meilleure fin? Tu devras charger ta sauvegarde et... Eh bien au passage, pourquoi n'irais-tu pas voir le docteur Alphys? Vous auriez certainement pu devenir de bons amis. Qui sait, peut-être qu'elle possède la clé de ton bonheur. A plus tard. Du coup là, on va recharger la partie en fait. Du coup ça reprend. Donc continuer, c'est ça? D'ailleurs il y a un truc qu'on m'avait dit dans la config du joystick. Le printemps, retour à l'école. Ah, il y a un petit chien en bas. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on est déjà à 43 minutes quand même. Et puis, on va refaire un live du coup. Et on fera... On va aller revoir le docteur Alphys. Et puis apparemment, on me disait que j'en avais pour 2 heures de... J'en avais pour 2 heures de jeu encore. Hein, dans le chat. Donc ben voilà, on va prochain live, on va refaire la fin bienveillante quoi. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Undertale. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures souterraines pour tester ça. Voilà. Salut à tous.